Madrid fourbit ses armes pour empêcher un référendum d'indépendance en Catalogne. Hier, le président catalan Artur Mas a convoqué cette consultation pour le 9 novembre, pour la plus grande joie de ses manifestants. Le gouvernement espagnol a prévu de se réunir lundi pour faire appel à la Cour constitutionnelle. Tout est manipulé, manipulé ou organisé par le gouvernement de Madrid, déplorait ce séparatiste catalan. À quoi pouvons-nous nous attendre? Ils ont nommé ces gens pour pouvoir prendre des décisions. Ce n'est pas une cour constitutionnelle, c'est une poubelle constitutionnelle mise en place par un gouvernement nul. Le recours devant la Cour que prépare le gouvernement de Mariano Rajoy suspendra automatiquement le décret de convocation du référendum. Le gouvernement de la nation a l'obligation de protéger la loi et les droits des Espagnols, a souligné hier la vice-présidente du gouvernement. C'est à tous les Espagnols de décider ce qu'est l'Espagne et comment elle s'organise. Et personne n'est au-dessus de la volonté souveraine du peuple espagnol. La Catalogne veut être entendue et veut voter, a déclaré Artur Mas lors de la cérémonie de signature du décret convoquant le référendum. D'après des sondages, jusqu'à 80% de Catalans réclament le droit de pouvoir être consultés sur l'avenir de leur province.